Vous êtes partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers le province. Au sommaire, les personnels de la santé de Kaemba dans la province du Kwango sont en grève et réclament une amélioration de conditions de travail. Les hôpitaux et centres médicaux de cette partie du territoire sont fermés au détriment de malades qui ne bénéficient d'aucun soins médicaux. Mesdames et messieurs, encore une fois, soyez le bienvenu dans ce journal. L'inspection générale de finances a désormais son amphithéâtre qui pourra recevoir plusieurs inspecteurs pour de manifestations ou de formations construites sur fonds propres de l'IGF. L'ouvrage a été inauguré ce matin par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires dans ce reportage de la presse présidentielle. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gouverneure de la Banque centrale et plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF sur l'avenue des hauts commandements dans la commune de la Gombe. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenant la parole, Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'inspection générale des finances. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en semi doit être perçu comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'imprègnent de la bonne gouvernance prônée par votre excellence et qui implique la redynamisation ainsi que la revitalisation de la fonction contrôle, et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la corruption et l'impunité, qui constitue l'un des piliers importants de votre mandature, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Congo se met petit à petit sur l'orbite de la bonne gouvernance souhaitée par tous, y compris ses partenaires extérieurs. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. $20 730,6 milliards, c'est la hauteur du budget de l'État exercice 2022, présenté hier à la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à ce projet de loi de finances par le Premier ministre qui s'est fait accompagner de tout son gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde a obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevées lors de ce débat général. Retour sur la plénière avec Sylvie Mouembo, Bernard Baudou. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso-Kodiapuanga, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a présenté l'économie du texte du projet de loi des finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le Premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations dont les soubassements reposent sur 15 piliers répartis autour des 6 axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement de base, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi des finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présentée en équilibre, en recettes et en dépenses
à hauteur de 20 730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis susmentionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapwanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Lancement de la stratégie régionale de la protection sociale en Afrique. La ministre de ces secteurs, Claudine Ndoussi, qui est intervenue du haut de la tribune de cette réunion de haut niveau, parle d'une prise en charge efficace de travailleurs après la retraite. La ministre de l'Emploi a représenté le chef de l'État à ses assises. Willy Yatounakov nous en parle. Mode visioconférence depuis son cabinet de travail à Kinshasa, Gombe, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, a représenté le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lancement de la stratégie régionale pour l'accélération de la couverture de la protection sociale en Afrique, mardi 16 novembre 2021, en direct de Genève, en Suisse, siège de l'OIT, Organisation internationale du travail. Dans son discours inaugural, la patronne de l'emploi en RDC a mis l'accent sur les questions relatives à la protection sociale pour le développement dans les contextes particuliers de la pandémie à coronavirus. La protection sociale est à la fois une nécessité humaine, sociale et une nécessité économique. C'est aussi une réponse politique coordonnée aux impacts socio-économiques des crises, en veillant à ce que les individus accèdent facilement à des services sociaux de base. Et notre appel est celui-ci. Nous estimons qu'il est inacceptable qu'au XXIe siècle, une très grande partie de la population africaine ne puisse bénéficier de la protection sociale. Et à ce sujet, il y a deux messages clés à retenir. La protection sociale est tout d'abord un droit. Donc ce n'est ni un luxe, ce n'est ni une option, mais plutôt une condition nécessaire pour la promotion de la justice sociale et le développement. Il est donc important de mettre en place un panel de haut niveau pour le financement durable de la protection sociale en Afrique. Parlons santé dans ce journal. Le choléra est une épidémie hydrique qui apparaît périodiquement en République démocratique du Congo dans différentes provinces et emporte beaucoup de vies humaines. Pour l'éradiquer, le plan stratégique national d'élimination du choléra 2023-2030 va bientôt être élaboré. La Global Task Force on Choléra Control a présenté le projet au ministre de la Santé publique sur la marche à suivre. Edith Chala. 2018-2022, le programme quinquennal du plan national d'élimination de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo touche pratiquement à sa fin. À cet effet, le directeur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques a conduit une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge venue de Genève auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, pour accompagner la République démocratique du Congo
dans l'élaboration du nouveau plan multisectoriel d'élimination de choléra, selon la feuille de route établie par la Global Task Force on Cholera Control. Après leurs échanges, le comité de pilotage du programme multisectoriel d'élimination de choléra en RDC a tenu une réunion importante à Kinshasa avec les différents acteurs et piliers impliqués dans le projet d'élaboration du prochain plan national de lutte contre cette maladie. La réunion a été supervisée par le PENECOL et le Comité national de l'eau, hygiène et de l'assainissement, organe technique du ministère du Plan. La lutte contre le choléra est donc multisectorielle. Par rapport à sa vision, le Global Task Force on Cholera Control, qui est un groupe spécial mondial qui lutte contre le choléra, a lancé une nouvelle stratégie intitulée « Ending Cholera », qui est définie sur une feuille de route jusqu'en 2030. L'objectif est de baisser d'ici 2030 de 90% le nombre de décès dus au choléra dans le monde. À Kaemba, nous sommes dans la province du Kwango. Les personnels de la santé sont en grève. Ils réclament le paiement des arriérés de leur salaire et la prime de risque. Aussi, l'amélioration de conditions de travail dans ces secteurs pour une prise en charge adéquate des patients. Ils ont pris d'assaut l'artère principale pour se faire entendre. Les professionnels de santé du territoire de Kaemba dans le Kwango observent un mouvement de grève. Parmi les manifestants, nombreux sont immatriculés mais pas payés et ne bénéficient d'aucune prime. Sur les calicots, ils ont traduit des messages décrivant les conditions de travail. Cette marche partie de la tribune d'honneur a eu comme point de chute le bureau du territoire. Le mémo rendu public par le représentant des professionnels de santé du territoire de Kaemba, Kazunga Corneille, devant l'administrateur du territoire intérimaire, Mukambia Hervé, reprend les principales revendications à charge de l'employeur. J'ose croire que votre déclaration est arrivée. Nous allons transmettre à qui de droit, celui qui doit trouver solution à votre problème. Mais à notre niveau, nous nous limitons seulement à vous remercier. L'autorité urbaine a promis de faire rapport à qui de droit pour des solutions idoines. Il leur a demandé de reprendre le chemin des hôpitaux et des centres de santé. Le mouvement a beaucoup duré. Les hôpitaux sont paralysés depuis le mois de juin dernier. Les femmes députées veulent consolider le leadership au sein des institutions du pays. Pour ce, les élus provinciaux de Kinshasa se sont rendus au Congo central pour le lancement du réseau des femmes élues provinciales et locales à Matadi. Commentaire, Lisette Mujinga. Députés et ministres provinciaux élus du Congo central réunis, la députée provinciale et présidente nationale du réseau des femmes élues provinciales et locales, Maître Marie-Kiette Mutsinga, a procédé au lancement des travaux d'installation de ces réseaux de femmes élues provinciales et locales à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. L'honorable Marie-Kiette Mutsinga s'est étendue sur la raison d'être de ces grands réseaux féminins et les objectifs qu'il entend poursuivre. Le RFPL a donc pour objectif de fédérer les activités de toutes les élus en vue d'une lutte efficace en faveur des femmes élues, députées provinciales et locales en particulier, promouvoir le leadership féminin dans la gouvernance provinciale et locale, améliorer la représentation effective et efficiente des femmes élues dans la gouvernance provinciale et locale. Les femmes élues provinciales et locales réunies au sein de REFPEL sous le leadership de sa présidente nationale, Maître Marie-Kiette Mutsinga, sont déterminées à œuvrer ensemble pour la consolidation du leadership féminin au sein des institutions du pays. Au Lualaba, on parle de mines. Les creuseurs artisanaux de cette province peuvent dormir désormais sur leurs lauriers. Ces derniers ont reçu des assurances de l'Assemblée provinciale pour exercer librement leur métier. Une délégation de ces creuseurs a fait la restitution de ses contacts avec les artistes, plutôt les autorités provinciales. Commentaire Jean-Pierre Ndolodemazou. C'est la salle bondée des creuseurs artisanaux et responsables des coopératives minières qui a servi de cadre à cette rencontre de restitution, ce après l'entretien du président provincial du Lualaba avec une délégation de creuseurs artisanaux,
La délégation des défenseurs autochtones organisée en coopérative a tenu à faire le rapport de ses démarches auprès des autorités du pays en vue de faire entendre sa voix. Pour le représentant des creuseurs, Jacques Kaoumba, l'exploitation artisanale des minerais est reconnue par la loi congolaise. Nous disons, les creuseurs, c'est un autochtone, il est membre de la communauté locale. D'autant plus que notre loi a voulu que l'exploitation, le mine du Congo, soit aussi exploitable artisanalement. C'est ainsi que nous cherchons que les creuseurs soient traités dignement et il a droit à l'espace professionnel. Pour ce dernier, le secteur artisanal doit se retrouver par ce temps de revisitation des contrats miniers. Nous sommes dans une phase où le chef de l'État lui-même dit revisitation des contrats, c'est parce qu'on ne se retrouve. Cette catégorie aussi de peuple ne se retrouve pas. C'est ainsi que nous avons eu l'opportunité de transmettre le message, nous avons fait les mémos et nous disons non, c'est lui qui dit le peuple est d'abord. À notre attendement, nous les creuseurs, nous pensons que celui-là met déjà la population au centre de sa philosophie politique. C'est donc avec soulagement que les creuseurs artisanaux ont accueilli ce message. Désormais, c'est dans la quiétude qu'ils vont exercer leur métier. Vincent de Paul Lundabululu, si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien premier ministre de la République démocratique du Congo et il est aussi le premier secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Plébiscité à l'issue du forum de Libreville au Gabon sur l'intégration régionale. On en parle avec Cédric Kenina. Libreville, capitale du Gabon, a été pendant 4 jours capitale de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Nous sommes au mois d'octobre. Autour du thème, la CEAC à la croisée de chemin, passer et reprendre le relais de l'intégration régionale. Ces rendez-vous ont coïncidé avec les 38e anniversaire de cette structure régionale. L'un des temps forts de ces assises, c'est la place d'honneur réservée à l'ancien premier ministre de la RDC, Vincent de Paul Lundabululu, premier secrétaire général de la CEAC, poste qu'il a assumé pendant 5 ans. Cela me pousse à faire une interpellation vis-à-vis de nos autorités et même au-delà de nos frontières, que nous avons toujours l'habitude d'honorer ceux-là qui nous ont précédés avec pompe et tambour battant après leur mort. Ce n'est pas normal. C'est du vivant de certaines personnalités. À l'instar du professeur Vincent de Paul Lundabululu, une vertu, une qualité rare, un homme de temps qui a eu le courage de prendre position et tout le monde en République démocratique du Congo est bien édifié. L'on se souvient du célèbre pont Lundabululu. L'homme d'État est arrivé au soir de sa vie et la patrie lui doit reconnaissance pour les services rendus. Les jeunes filles en Afrique sont en majeure partie victimes de diverses formes de violence. À ce sujet, un mini-sommet se tient à Niamey pour aider cette catégorie de la population en Afrique à formuler des recommandations à soumettre au prochain sommet de jeunes filles qui se tiendra au Niger. Christine Lenzo pour d'autres détails. Le troisième sommet des filles africaines se tiendra du 16 au 18 novembre prochain à Niamey, au Niger. En perspective de cette grande rencontre, un pré-sommet s'est ouvert toujours à Niamey sous les thèmes culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes dont sont victimes les jeunes filles à travers nos pays d'Afrique. Ce pré-sommet permettra à ces jeunes filles de rédiger des points essentiels de leur plaidoyer, comme l'explique Najat Malamfit, représentante des Nations Unies en charge des questions des violences contre les enfants. Les filles africaines, en tout cas un bon nombre d'entre eux, sont laissées pour compte. Elles sont victimes d'exclusion, de discrimination, genre, et de différentes formes de violences souvent imbriquées les unes dans les autres. Mariage précoce et au forcé, mutilation génitale, servitude, travail domestique, exploitation sexuelle, gavage, mendicité, kidnapping, traite, trafic et la liste est longue. Plusieurs organisations de jeunes filles venues des pays d'Afrique, les organisations internationales, les agences des Nations Unies en collaboration avec la plateforme SCFM Niger y participent
pour mener ensemble des consultations pour l'élaboration d'une feuille de route, des recommandations et résolutions à présenter et à adopter lors du troisième sommet de Niamey. Signalons aussi ces échanges réussis entre la représentante spéciale des Nations Unies, Najat Mahla, avec Cissé Mariama, directrice du développement social, de la culture et du sport de la Commission de l'Union africaine. Dans la suite de l'actualité, l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'est dit prêt à accompagner toute démarche allant dans le sens à donner à la RDC le moyen nécessaire pour la protection de la biodiversité. Le directeur général par intérim à l'ICCN l'a dit à son retour de l'Écosse à Glasgow, où il a pris part à la 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Reportage José Baïtoumbo. La République démocratique du Congo, pays solution au réchauffement climatique qui sévit au monde, attend des dividendes en marge de la COP26 organisée à Glasgow en Écosse. De retour à Kinshasa, après avoir pris une part active à ces grands rendez-vous aux côtés d'une forte délégation congolaise avec les décideurs du monde, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a égrené quelques retombées. Pour Olivier Mouchet-Tekolé, la contrepartie est tributeur de la densité de forêt, de la biodiversité et les eaux que la RDC est appelée à gérer. La COP26 a été une occasion de nous rapprocher, nous, République démocratique du Congo et sa grande forêt tropicale, de l'Indonésie avec la forêt de Bornéo et du Brésil avec la forêt amazonienne. Et donc nous sommes en train de préparer un gros syndicat international des détenteurs des grands massifs forestiers tropicaux. Et ça, c'est une démarche extrêmement importante et que nous, encore une fois, à l'ICCN, on va appuyer de tout notre poids pour que cette démarche se concrétise le plus rapidement possible. Plus de 100 milliards de dollars américains devaient être mobilisés par les grands pollueurs du monde. Vulgarisation de différentes recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, lequel recommandation constitue entre autres la généralisation du système LMD. C'est à l'occasion de l'inauguration de l'année académique à l'Université catholique Mazenda que s'est tenue cette conférence pour sensibiliser les étudiants et professeurs de s'adapter à ce nouveau système. Emmanuela Commissaire pour le reportage. Tout a débuté par une messe d'action de grâce dans la chapelle de l'université. Monseigneur Ndaka Carlos, évêque auxiliaire de Kinshasa, a exhorté les étudiants et le corps professoral à l'excellence. Après la messe, la conférence inaugurale de l'année académique a consisté en la restitution des états généraux de l'éducation. Parmi les recommandations, c'est la généralisation du système LMD qui met l'accent sur la formation pratique. Le ministère de l'enseignement supérieur universitaire n'est pas dans une approche de la gendarmerie. Ils sont plutôt dans une approche de la viabilisation. Le souci, c'est de conduire nos institutions, nos universités, dans la voie du redressement, de l'innovation, de la créativité, à partir de la transformation de notre société. Le directeur de communication de l'université, le père Jean Bédel, apprécie cette réforme. Le système apporte un changement remarquable et même positif. Aujourd'hui, dans les universités, l'étudiant attend tout de l'enseignant. Mais avec le système LMD, c'est l'étudiant qui travaille. Il doit apporter quelque chose à la société. Il doit être créatif. On ne voudrait pas aujourd'hui, avec le système LMD, avoir un diplôme pour un diplôme. Il faut avoir un diplôme qui te sert à quelque chose en République démocratique du Congo. Le système LMD sera généralisé dans toutes les universités publiques et privées durant cette année académique, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'université catholique Maznod. Dans la suite de l'actualité, nous allons à Cabinda, dans la province de Lomami. Ici, il y a eu lancement officiel de la campagne de scolarisation dénommée « Filles et garçons à l'école ». C'est le gouverneur par intérim qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation.
Cette campagne a pour objectif général de mobiliser les enfants pour aller à l'école ainsi que la sensibilisation des parents. Cela en vue d'atteindre le chiffre de 27 millions d'enfants à l'école comme fixé pour les 26 provinces de la RDC pour cette année scolaire 2021-2022. Les représentants du gouverneur des provinces ad intérim, le ministre provincial des Finances, Timothée Tshité-Lukombe, a appelé les parties prenantes à l'implication totale afin d'atteindre ces objectifs. Le proverbe Désiré Kapengambachi a rendu hommage au professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, engagé pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions tout en félicitant l'engagement ferme de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, des warriors du gouvernement Samalokonde, dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Nous lui rassurons notre engagement indéfectible et lui rassurons notre accompagnement dans cette mission sinon lui confier. Dans la foulée de cette cérémonie, quelques fournitures scolaires, dont de l'UNICEF, ont été remises au directeur d'école primaire par le représentant du gouverneur de province intérimaire, Edouard Moulumba Moudiandambou. Et dans la province du Kwilu, de bons et autres matériels scolaires ont été remis dans des écoles de la police nationale congolaise et de FARDC, un don du gouverneur de cette province pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire. Conformément à l'objectif de sa gouvernance, le gouverneur des provinces Willy Itundal Assang est déterminé à garantir une éducation de qualité au bénéfice de la postérité. C'est précisément pour cette raison qu'il a pensé doter à des écoles de Bandundu de bancs pour permettre aux élèves d'apprendre dans des conditions confortables. À ce jour, 60 bancs sont remis à 3 écoles, notamment l'Institut Sebeko Malibo, l'école primaire Mbobe au quartier Salaminta et l'école primaire Ngemba, une école de FARDC située au quartier Ifuri. Nous sommes là dans la commune de Basoko. C'est le vice-gouverneur de province, Félicien Kiwai Mwadi, qui a remis ses bancs à titre symbolique aux gestionnaires de ces écoles respectives en présence des hauts cadres du secteur éducatif de Kwilu 1. Le ministre provincial de l'EPST, Eric Muziazia, et les provèdes de Kwilu 1, Christophe Kamunyanane, qui ont abordé dans le même sens, dans leurs mots des circonstances, ont salué les efforts considérables du gouverneur Willy Itundal Assang à maintenir très haut la barre de la qualité de l'éducation au Kwilu par la qualité des infrastructures. Occasion propice pour Félicien Kiwai Mwadi, vice-gouverneur des provinces, d'appeler les élèves à faire bon usage de ces bancs pour le bien aussi des générations montantes. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour saluer cette volonté politique du gouverneur Willy Itundal Assang. Rappelons en dernier lieu, le gouvernement provincial du Kwilu, outre ses bancs, a aussi doté l'Institut Sebeko Malibo de 2 bâtiments de 3 salles de classe pour chacun et des latrines. L'inauguration de cette réalisation est prévue dans un futur proche. Restons toujours dans les secteurs de l'éducation pour parler de la reprise de cours au Maniema. Après la levée de grève sur toute l'étendue du territoire national, le gouverneur par intérim a fait le tour de terrain pour constater l'effectivité de cette reprise et encourage les enseignants et les élèves pour cet élan de patriotisme. L'Institut de Kindu, une école secondaire publique ayant formé le gouverneur ad intérim du Maniema, Afan Idriss Mangalam, a constitué le premier site de la visite d'inspection ce lundi 15 novembre 2021 dans les écoles de la ville de Kindu. C'était pour constater la reprise effective des cours après la levée de la grève des enseignants. L'Institut Lufungula, une école protestante de la 81e communauté méthodiste unie, était la deuxième étape, peu avant l'école primaire d'adaptation Djououdi du réseau islamique. Le constat du chef de l'exécutif provincial du Maniema est que les cours ont repris normalement, sauf à l'Institut Enano du réseau catholique, où élèves et enseignants continuent à observer l'arrêt des enseignements. La raison serait l'attente du mot d'ordre de la direction syndicale nationale des enseignants catholiques, SINECAT. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné le pouvoir de diriger la province du Maniema et de l'accompagner dans toutes ses actions. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les efforts de mon gouvernement et de la délégation syndicale. Je félicite la délégation syndicale de la province du Maniema, SIECO, de pouvoir accepter le compromis
que nous avons eues dans le cadre des négociations pour que les cours reprennent dans toute l'étendue de la province du Maniema. Ce n'était pas une contrainte. Ils ont accepté pour privilégier l'intérêt de nos enfants. Les nouvelles unités, les non mécanisés et les élèves ont apprécié cette visite après 2 mois perdus. Dernièrement, l'UDPS dans l'ensemble du territoire a célébré la journée de la base. Les explications de l'origine de cette commémoration a été dite dans la province du Kwango. Reportage. Arrivé dans la ville de Kenge pour participer à la célébration de la journée de la base commémorée chaque 12 novembre de l'année par le parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Sur place, le rapporteur national de la Ligue des jeunes, Patou Koulekana, a été l'objet d'un enquête délirant par les habitants de Kenge. Les membres de l'IDPS et d'autres membres de l'Union sacrée se sont retrouvés dans une salle de rotonde pleine comme l'EF. C'est ici que Patou Koulekana a mis en évidence les actions des grandes envergures d'intérêt général amorcées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui lui vaudra une bonne dose de soutien aux prochaines élections pour leur parachèvement. C'est avec beaucoup de regrets que ces combattants du parti présidentiel constatent la fameuse marche annoncée avec pompe par les blocs patriotiques sur l'étendue du pays n'a pas eu lieu dans cette partie de la RDC. Ensemble avec la population de Kwango, nous nous sommes dit, nous allons accompagner le chef de l'État pour qu'il puisse réussir son quinquennat. Que nous allons démontrer à la face du monde, nous allons démontrer à tous ceux qui cherchent à vouloir à tout prix saboter les actions du chef de l'État que la province de Kwango est derrière le chef de l'État. La province de Kwango va l'accompagner pour réussir son quinquennat. Des entretiens avec notamment des étudiants et des dirigeants de la Fédération de l'UDPS à Kenge ont constitué la dernière étape de la visite de l'ingénieur Patou Koulekana dans cette contrée du pays. Voilà, ce sera donc tout pour ces 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. À 20h, retrouvez Françoise Bouéla-Bouaki pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.